No, you don't press anything, it's a recording. It's recording, okay. Yes, yes. Excellences, mesdames et messieurs, je suis le professeur Olojanissien Foucault. Je suis le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et des énergies. Je suis aussi le procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies. Je suis diplomate et j'ai été élu secrétaire général des Nations Unies. Donc j'attends la passation de service à New York. J'ai travaillé aussi pour la Maison Blanche et j'étais en France voir le MEDEF pour construire l'avenir ensemble. Malheureusement, avec ce qui se passe, les gilets jaunes sont venus. En ce temps-là, il n'y avait pas de gilets jaunes. Alors je suis heureux de rencontrer un couple de Français qui est venu visiter Genève. Je vous laisse vous présenter vous-même. Comment vous appelez? Jean-Claude. Jean-Claude et sa... Marie-Lyne. Et Marie-Lyne. Voilà. Ah ok, d'accord. Marie-Lyne et Jean-Claude sont Français. Alors, ce que nous souhaitons en France, c'est que, comme je l'ai dit, la prospérité partagée. Ce que nous souhaitons en France, c'est que l'ordre revienne, parce qu'on arrête, il y a beaucoup de marches, les gens ont un ras-le-bol de la pauvreté, du chômage, et beaucoup de l'inflation et tout ça. Donc ce que nous souhaitons, c'est de rebâtir l'économie sur des bonnes bases. À ce moment-là, la prospérité pourrait profiter à tout le monde. C'est de créer des emplois pour tous, la santé pour tous, et aussi, surtout, l'éducation pour tous. Donc, il faut que les bourses d'études soient disponibles pour tous, et aussi les farmers, comment on les appelle, les agriculteurs puissent bénéficier des produits de leur. Donc il faut réformer en profondeur pour que les agriculteurs, les villageois puissent bénéficier des fruits de leur travail. Protéger surtout les femmes, à l'heure où on considère la femme comme étant l'ennemi pour détruire l'homme, diviser les familles, détruire les familles, protéger les enfants. Aux États-Unis, ce qui se passe, un enfant, quand vous avez des enfants, eh ben, il suffit que l'enfant aille à l'école pour dire à sa maîtresse que je veux être une femme. L'enfant, c'est un garçon, il dit je veux être une femme, donc les transgenres. Et tout de suite, on confisque l'enfant, on menace les parents et on fait la chirurgie pour que l'enfant qui était un garçon devienne une fille. C'est du désordre aux États-Unis. Ça ne reflète pas nos valeurs. Regardez, l'homme et la femme. L'homme et la femme. Mais on ne peut pas transformer l'homme en femme et la femme en l'homme. Ce ne sont pas nos valeurs, ce ne sont pas les valeurs de la communauté internationale. Voilà à peu près ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de respect. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup. La liberté d'opinion, la liberté aux femmes. Merci. Merci. Thank you. Voilà. Merci beaucoup. Merci.